J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous ai tourné une toute petite séance juste avant quand je me maquillais. Donc voici le résultat. Sincèrement, c'est pas du vite fait, mais c'est un maquillage que je fais tous les jours. Bref, on est en voiture puisque nous partons vers Hérouville et je suis avec mon accompagnatrice de choc, ma Coco. Salut à tous. Donc Coco, c'est une collègue, mais c'est aussi maintenant une amie. Ça va faire bientôt 2 ans qu'on travaille ensemble. Et c'était sur elle que je pouvais compter. Si c'était pas elle, au pire, ça aurait été ma maman. Mais je voyais pas sur qui d'autre compter pour m'emmener en finale. Donc voilà, maintenant on va croiser les doigts. De toute façon, les jeux sont faits quand vous regarderez ce vlog. On se retrouvera certainement dans la journée. Coco va essayer de tourner. Moi, je vais essayer de tourner un petit peu aussi. Et puis, je vais essayer de vous tourner un peu les coulisses. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Pour moi, c'est la première fois ce genre de concours. Donc, on verra bien. Maintenant, j'y vais pas pour gagner. J'y vais vraiment pour m'amuser, comme je vous ai dit. Donc, on verra bien. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Maintenant, on prend la route. On a une petite demi-heure de route. Donc, c'est parti. Donc, nous voilà dans le centre commercial. On a été étiqueté. On a eu un petit tote bag que je vous montrerai tout à l'heure. On a été boire un petit coup tous ensemble. Ça y est, on est tout arrivé. J'espère que ça vous plaira. Je pense que ça sera, pour celles qui m'auront suivi sur Instagram, un peu répétitif le vlog. Mais bon, ça peut être toujours sympa. Et puis moi, ça va me laisser des souvenirs. Donc voilà. Donc on croise encore les doigts, j'espère que vous auriez été bien avec moi. Là on va prendre une photo de groupe, donc je vous fais des bisous. Et là Coco est toujours. Donc on est avec ma maman qui nous a rendu visite, Clarinette et Coralie. On a fini le petit coton démaquillant. Je vous mettrai juste ici la photo que j'ai publiée où j'attendais un maximum de j'aime. Maintenant de toute façon les dés sont jetés. Je suis assez fière de moi, j'avais jamais cousu, ni à la main ni avec la machine. Et je me suis plutôt bien débrouillée. Donc de toute façon, je vous reparle de chaque article ce soir. Et puis j'espère que vous avez été nombreux sur Instagram. A tout à l'heure. Coucou les filles, donc on est lundi. Je voulais finir ce vlog pour vous le montrer, que vous l'ayez demain matin, donc mardi matin. Vous aurez vu, j'ai vraiment très très peu vlogué pendant cette finale. Parce que entre les stories Instagram, courir, parce qu'on a réellement couru, on avait tellement mal aux jambes avec Coralie. Et les photos Instagram qu'il fallait mettre durant toutes ces étapes pour vous les partager, ça a été très compliqué de vloguer. Je vous ai vlogué quand même un petit peu. Pour toutes celles qui m'ont suivi en story, tant mieux pour vous. Je suis désolée pour les autres. Ici, pendant que je vous parle, je mettrai plusieurs photos ou peut-être vidéo que je vous installerai en même temps de vous parler pour que vous voyez un peu le truc. C'était une réelle journée de Pretty Woman. C'était vraiment cool. C'était exactement comme les reines du shopping, en version très soft, puisque nous, on ne critiquait aucune des candidates. Bien au contraire, on était réellement solidaires toutes les 5. Voilà, donc maintenant je suis arrivée 4e pour celles qui n'avaient pas encore compris. Il y en a plein qui ont cru que j'étais 2e, mais non, non, j'étais 4e. Je suis très, très contente quand même. Sincèrement, je pensais être sur le podium des 3, mais je suis quand même très fière de moi. J'ai pu trouver tout. Donc la première étape, c'était la couture. J'étais extrêmement fière de moi. Je n'ai jamais cousu quoi que ce soit. J'ai toujours voulu coudre ma grand-mère, ma mère, ma nounou quand j'étais petite, enfin voilà quoi. Et comme ma maman était là par surprise avec Clara, elle m'a été d'une grande aide parce que c'était avec une machine à coudre et c'est exactement la même que ma mère, donc c'était impeccable, elle a pu tout m'expliquer, tout ça. Sinon on avait une couturière qui pouvait nous aider, mais il y en avait une pour 5, donc moi j'ai gagné un temps phénoménal que ce soit ma mère qui m'explique, je l'avais que pour moi toute seule. Donc, il fallait réaliser une lingette démaquillante réutilisable. On avait le choix dans des milliers de tissus chez Toto 1961, je crois. En tout cas, je vous mettrai au pire le magasin ici, que donc vous pouvez retrouver au centre commercial d'Hérouville. Donc, moi, j'en avais fait une grande parce que puisqu'on était parti dans le truc écologique, économique, je me suis dit une grande pour faire full face, en une fois le démaquillage était parfait, je trouve. Donc je la testerai avec vous lors d'un vlog prochain.
pour vous montrer un peu. Et ça m'a donné envie d'en refaire plein, sauf que j'ai pas de machine à coudre. Mais si j'en trouve une à vraiment pas très très cher ou quoi, d'occasion ou quoi, je pense que je pourrais peut-être me lancer là-dedans, rien que pour moi ou pour mon entourage, hein. Je vais pas commencer à me lancer dans une boutique ou quoi. Mais je vous montrerai tout ça. Ensuite, la deuxième étape, c'était beauté. Donc, en fait, on a tiré au sort des petits papiers et sur le petit papier, c'était la boutique. Donc, il y avait le choix entre Sephora Marionneau ou Yves Rocher. J'aurais tant voulu prendre chez Sephora, sincèrement. Mais j'ai choisi Marionneau, enfin, j'ai pioché Marionneau. Donc, on avait 40 euros. Donc, au début, je me suis dit que j'allais faire un make-up coloré pour un peu sortir de ma zone de confort, on va dire. Mais avec 40 euros, c'est très, très compliqué chez Marionneau parce qu'ils n'ont pas beaucoup de couleurs peps. En tout cas, ils les ont sans doute pas encore sortis. Et après, c'était de très grandes marques de luxe, Dior, Lancôme, etc. Donc, 40 euros, c'était mort pour ce make-up-là. Et comme j'étais déjà maquillée, c'était un peu plus compliqué. On avait 45 minutes, on pouvait faire soit un make-up complet ou juste les yeux, ou juste la bouche, ou juste le teint, etc. Moi, j'ai choisi de faire dans le fil rouge que je m'étais mis moi-même la fête des mères. Donc, j'ai fait une belle bouche rouge. Et tu peux t'asseoir hein, si tu veux. Et donc, j'ai pris un joli rouge à lèvres mat de chez Lancôme. On avait le droit, si on avait des bons de réduction personnelle, donc moi, j'avais moins 30% sur toute la boutique, donc c'était plutôt cool. Et ensuite, la troisième étape, c'était mode et le thème, c'était bien à la plage. On avait 130 euros de budget, donc j'ai utilisé les 130 euros pile poil. Comme vous avez vu, je me suis trouvé une petite robe chez H&M avec la ceinture de chez H&M et les lunettes de chez H&M. Les petites chaussures et le sac à main chez Mango. Je suis désolée, j'ai une crampe au bras. Chez Mango. Et le petit bijou de cheville chez Camailleux. On avait en tout 6 choix de boutiques. Et le défi en plus, c'est qu'il fallait au moins acheter dans 2 boutiques différentes. Donc, je pense que j'ai plutôt bien réalisé le truc. Maintenant, voilà, il y avait effectivement de plus jolies filles. Manon, je l'ai trouvée tellement canon, cette fille. Elle était vraiment très, très jolie. Enfin, pour moi, sincèrement, j'aurais tellement aimé que ce soit elle qui gagne. Elle était vraiment très, très belle. Mais la pauvre, elle s'est foirée la première étape. Donc, je pense que ça, voilà, ça lui a mis un petit peu de points en moins. Mais je pense qu'elle aurait réussi cette étape-là, elle aurait largement gagné. Ensuite, on a eu un superbe joli bouquet de fleurs que vous allez pouvoir voir là, mais aussi en photo, pour toutes les finalistes. Donc, c'était très, très cool. Ça a été une équipe géniale, vraiment. L'équipe du centre commercial Hérouville était vraiment adorable. On a eu de super jolis conseils et des compliments adorables. Donc, voilà, j'étais très, 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 très contente de cette journée, même si on était fatigué au point. Donc voilà, je pense que de toute façon, pour ce vlog, je vais vous laisser là. Cette semaine, à part ce vlog, il n'y aura pas d'autres vidéos. J'ai envie de prendre une semaine tranquille. On reprendra la semaine prochaine des vidéos et puis je retournerai la semaine prochaine certainement un vlog. Donc voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous plaira pour cette semaine. Et puis sinon, suivez-moi toujours sur Instagram, je vous poste toujours des photos avec des descriptions et tout. Et puis des stories peut-être en parlant puisque je ne vais pas vlogger cette semaine si j'ai des choses à vous montrer. Donc voilà, moi je vais aller préparer à manger. Et puis après je vais retourner au boulot. Et puis voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore d'avoir été aussi nombreux sur Instagram samedi à me suivre. Et puis j'espère que je vous ai tout dit. Si je ne vous ai pas tout dit, je vous en reparlerai lors d'une prochaine vidéo. Et puis moi je vous fais plein plein de bisous en vous disant à très très bientôt. Thank you.